T'entends quoi, Julie? Ah, t'as senti le bazar. Oh, attends, ça c'est une lampe à huile, c'est une burette à huile. Oui, mais qui servait particulière. Voilà. Pour les lampes? Pour les lampes à huile? Oui, mais qui servait particulière. Parce que tu vois, moi il y a un crochet, pourquoi? Parce que on l'accrochait en cours de chemin à un support, et c'était pour les couturiers. Refiler les aiguilles à la lumière de la flamme. Ah voilà. C'était pour faire le beurre. Quand le beurre était bien carré, bien façonné, je me demande si c'était pas avec cet appareil-là. Donc bien façonné, on faisait des lignes. Voilà. Et ceci ici, c'est un toucher en wallon parce que je ne connais pas le mot en français, mon père disait des grippettes. Et en fait, c'était comme il était facteur des postes, c'était pour l'empêcher de glisser quand il y avait du verglas. Parce que malgré tout, ils accomplissaient leur tournée jusqu'au bouquet de la neige, du verglas ou n'importe quel temps. Tandis que maintenant, malheureusement, il y a un petit obstacle, c'est de suite une grève, parfois générale. Il faut viser celui-là, pas moi. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serai qu'un rêve. Voici cette femme là. Avec lui en bout de main, on la terre en mille vieux. Mon vieux. Et il y a de la joie, la très belle part en balade de côté. Et même danse, c'est bien, hein? Ouais. J'aime un petit joint, lui j'aime. Pascal, je croyais que c'était quelque chose pour les familles, mais c'est comme ça. Ton fournisseur de beau temps a livré. Oui, c'est fou, hein, Marcette, hein. Oui, sauf que normalement, il n'est pas très fiable comme fournisseur. Oui. Non, mais il y a ajouté un petit coup de vent avec Yol, il aurait mieux fait de ne pas. On ne peut pas tout avoir, hein. Toi, tu veux tout toujours. Merci. Thank you.
Tu vois? Ouais. Lui au moins il a un beau dos. Il a beau dos. Non, ça ne va pas, hein. Comme t'es jolie comme ça. Tu es toute jolie comme ça.